Bonjour à tout le monde. Il s'avère que la semaine dernière, j'avais parlé de photoenzymes. J'aurais souhaité continuer un tout petit peu, notamment parce qu'il y a un autre système dont j'aurais voulu parler qui complète la vision de ces photoenzymes. Et puis, on viendra à ce qui était prévu dans le programme, qui s'étalera jusqu'à la semaine prochaine, qui sera le dernier cours la semaine prochaine. C'est la suite, hein, photoenzymes, et puis ensuite, nous aurons un séminaire d'Yvain Nicolet, chercheur au CEA, que je présenterai tout à l'heure. Vous vous souvenez sans doute de cette famille de photoenzymes que j'ai décrite la semaine dernière, découverte récente, mais qui est notamment intéressante par la réaction qu'elle catalyse. Acide gras qu'on transforme en alcane ou alcène en fonction de la nature de la chaîne de l'acide. Et ça se fait par une réaction de décarboxylation qui est lumière dépendante. L'intérêt, au-delà de ce que j'ai raconté du point de vue du mécanisme, hein, à savoir qu'on a une flavine avec le substrat positionné très proche, ce qui était là, vous vous souvenez, avec la fonction carboxylate très proche de la flavine qui est à la fois le cofacteur enzymatique et le chromophore qui prend la lumière et qui est activé pour induire des réactions radicalaires qui déclenchent le départ de la molécule de CO2 qui finit éventuellement en carbonate, en bicarbonate. Et ici, vous avez le résultat de la réaction, le produit de la réaction, qui est un hydrocarbure. Alors ça, c'est intéressant. Alors, comme vous le voyez ici, je le rappelle, hein, c'est mis en œuvre par des microalgues, et l'enzyme, c'est FAP, la fatty acide photodécarboxylase. Les premiers résultats importants sont apparus en 2017 et tout de suite après, bien sûr, hein, alors dans le contexte notamment de la transition énergétique avec la question de l'élaboration demain, plus tard, de carburants alternatifs, ce qu'on appelle de carburants alternatifs, ici donc de biocarburants d'une certaine façon. Cette réaction devient très très intéressante si, en effet, que ce soit par voie cellulaire ou voie enzymatique, ces acides gras naturels peuvent être transformés en hydrocarbures. Et là, je vais vous montrer juste trois ou quatre applications de cette stratégie qui ont été très rapidement développées juste après la découverte de l'enzyme. Et par exemple, ici, vous voyez, un an après, en 2018, donc c'est en effet toute la question donc, de la synthèse d'hydrocarbures, donc qu'on va appeler des biocarburants ou des biodiesels, donc à partir d'acides gras ou d'huile naturelle. Donc c'est la valorisation de la biomasse, des déchets, etc. Alors, lorsque vous avez un acide gras, une des façons de transformer ça en un biodiesel, un biocarburant, c'est notamment d'en faire un ester, un méthylester par réaction avec le méthanol. Et ça peut se faire par voie enzymatique, par méthylation ici, avec une hydrolase. Ça, c'est la stratégie qui est le plus souvent développée et qui pose un certain nombre de problèmes parce que cette réaction, d'abord, elle est équilibrée, donc elle n'est pas quantitative. Ensuite, l'hydrolase elle-même est sensible aux conditions réactionnelles. Et puis, ces esters-là ont une moindre valeur calorique que les hydrocarbures. Donc, évidemment, c'est tout à fait intéressant de pouvoir faire cette réaction-là. Et c'est bien ce qui a été initié dans ce travail, où toute une série d'acides gras, dont vous avez la liste ici, palmitique, stéarique, oléique, linoléique, arachidique, etc., sont utilisés avec, vous voyez, dans certains cas, des conversions assez importantes et avec des turnover numbers, donc un nombre de cycles catalytiques
voilà, de plusieurs milliers. Donc ça, c'est un premier type d'application. La même année, toujours dans la même stratégie, avec cette huile végétale, la trioléine, qui est en fait un couplage de l'acide oléique avec le glycérol, qui est voilà, très accessible, très, très, très abondante, vous avez la possibilité, alors vous voyez, vous avez une double liaison ici, vous avez la possibilité de récupérer la partie hydrocarbure ici, moyennant évidemment que vous hydrolysiez cette molécule pour libérer le glycérol, d'une part, et l'acide, ensuite, hein, par hydrolyse, et évidemment que vous transformiez l'acide ensuite en hydrocarbure. Donc c'est ce qui est fait ici dans cet article, à travers un milieu biphasique qui est tout à fait intéressant et assez efficace, où vous avez une combinaison de deux enzymes, la lipase d'une part et la FAP, la fatty acid photodécarboxylase. Donc la lipase fait cette... Donc vous avez un milieu, vous avez l'huile au-dessus, vous avez l'enzyme lipase qui hydrolyse cette molécule, et vous vous retrouvez avec l'acide et le glycérol ici dans le tampon aqueux. Et c'est ici que, dans cette phase aqueuse, vous éclairez, vous avez la FAP et vous produisez l'hydrocarbure qui finit, évidemment, qui est plus soluble dans la phase organique. Un système assez intelligent et qui permet donc de transformer la trioléine en heptadécène. Ça, c'est assez amusant. C'est, vous vous souvenez peut-être, en tout cas, vous pouvez le voir sur le cours qui est accessible sur le site web, hein, comme tous les cours, vous pouvez voir, vous vous souvenez donc que cette molécule a un site actif pour une très longue chaîne hydrophobe et a beaucoup moins d'affinité pour des petites molécules. Et pourtant, ça serait intéressant aussi d'utiliser ce système pour, au fond, balayer une plus large gamme de substrats, et en particulier des petites molécules. Et donc, là, ce qui est fait dans cet article, vous voyez, 2019, c'est la question, est-ce qu'on peut synthétiser des hydrocarbures à courte chaîne, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire de la décarboxylation de petits acides? Et là, l'idée, c'est d'ajouter un leurre, en anglais, c'est decoy, c'est une partie organique, carbonée, qui va compléter le petit acide dans le site actif. C'est ce que vous voyez ici. Donc, voilà la protéine. Ici, vous voyez le site actif de l'enzyme avec le site du substrat là, qui s'étale longuement. Et en fait, si vous voulez, par exemple, et c'est un modèle transformé, ici, c'est de l'acide acétique. Il y a juste un méthyle hein, avec la fonction carboxylate. Eh bien, vous rajoutez une petite molécule pour laquelle l'enzyme a une très bonne affinité dans ce site. Et ça aide, moyennant évidemment que l'interaction du carboxylate avec les acides aminés qui fixent ce carboxylate de façon extrêmement spécifique viennent se positionner là et en position proche de la flavine pour faire la chimie qu'on a décrite. Et ça marche. De sorte que, par exemple, avec de l'acide acétique, vous voyez, ça marche quand même tout seul, ce qui est assez remarquable, hein, puisque vous voyez ici la production de méthane est significative, et vous rajoutez un leurre, ici c'est decoy alkane, de différentes tailles, et vous voyez que vous avez une sorte de courbe en cloche ici, en gros, avec le leurre optimal qui correspond assez bien au substrat naturel de l'enzyme. Si vous combinez ce chiffre-là, C14, C15 plus 2 carbones, vous arrivez à peu près à ce qui est optimal du point de vue de la longueur de la chaîne pour le substrat. Et évidemment, ici, par exemple, c'est une courbe
où on rapporte l'effet de la concentration du leurre. Ici, c'est un nonane, donc c'est un C9. C'est cette molécule ici, c'est cette donnée-là. Et donc, sans leurre, il y a une certaine activité et vous voyez l'augmentation ici en turnover number, à nouveau. Donc, voilà, vous passez d'une centaine à 1200. Vous voyez ici, vous avez un facteur 10 en termes de turnover number. Et vous avez là aussi une courbe en cloche avec une concentration optimale de ce nonane. Et moyennant cette approche-là, vous pouvez traiter toute une série d'acides, vous voyez, de chaînes assez courtes par rapport au substrat naturel, hein, palmitic acide qu'on a vu par exemple avant, et on peut trouver pour chacune de ces molécules la molécule la plus adaptée, le leurre le plus adapté, qui est juste une molécule en CN. Vous voyez, ça va de C15 à C9 en fonction de la taille de la molécule. Et ce que vous observez, c'est que vous avez des très très bonnes sélectivités, vous avez des facteurs d'accélération qui sont importants. Donc c'est une des applications de cette chimie-là. Et ça, c'est le dernier exemple. C'est le dernier exemple. C'est la question de l'utilisation de la FAP pour faire des séparations d'acides gras. Si vous voulez, la question est la suivante. L'huile végétale, donc les ressources naturelles en huile, sont constituées d'acides gras divers, des mélanges complexes, où vous avez à la fois des hydrocarbures saturés, des hydrocarbures insaturés, donc avec des doubles liaisons, et à l'intérieur de ces hydrocarbures insaturés, vous avez des isomères cis et des isomères trans. Bon, il s'avère que des acides saturés, comme on l'a vu, comme l'acide palmitique, par exemple, ou stéarique, sont des acides gras qu'il faut éviter d'ingurgiter. Enfin, c'est connu pour accroître le risque de maladies cardiovasculaires. Et à l'inverse, les insaturés sont plus sains et sont connus pour protéger contre les arythmies cardiaques et pour réduire, par exemple, la pression sanguine. Donc, la question qui est posée ici, c'est si on peut séparer les insaturés des saturés. Ça, on sait faire. Et puis, il y a une deuxième possibilité de séparation, c'est séparer les cis et les trans. Et les trans posent plus de problèmes que les cis, et donc l'idéal, c'est d'avoir des insaturés cis. Et donc, ici, le travail qui est fait, c'est de regarder comment l'enzyme peut décarboxyler de façon sélective un mélange d'acides gras insaturés cis et trans et pour fournir des hydrocarbures uniquement dans le cas du cis. Et ça, c'est un travail assez formidable qui a été fait par analyse cristallographique de l'enzyme en présence de différents substrats. Et comme vous le voyez ici, donc, vous avez la flavine, hein, à nouveau, vous avez la chaîne qui finit ici avec le carboxylate qui est proche de la flavine, et vous identifiez la position de la double liaison. Ici, en bleu, vous avez la structure cis, et en violet, vous avez la structure trans, et vous voyez immédiatement les acides aminés importants à ce niveau-là. Et dans ce travail, tous ces acides aminés, qu'il s'agisse de la glycine 455, la tréonine 484, la valine 453, l'alanine 457, tout ça, vous voyez, toute une série de mutants qui ont été faits, et de façon assez extraordinaire,
la valine, ici 453, est un endroit qui est très utile à modifier pour changer considérablement les sélectivités. Et voyez, en gris, vous avez la conversion de l'acide oléique qui est 6 et l'acide élaïdique qui est trans, en vert. Et bien avec le V453E, une simple mutagénèse, une simple mutation, vous voyez en gris, vous n'avez plus rien, c'est-à-dire que ce mutant est incapable de transformer l'acide oléique, le trans, qui reste sous forme d'acide gras, et vous avez en vert la transformation de l'acide élaïdique. Donc vous avez, par une simple mutation, une formidable sélectivité. Voilà. Donc vous voyez que découverte et compréhension de cette enzyme depuis très peu de temps, quelques années, et très rapidement tout un tas d'applications qui ont un intérêt dans le domaine de la valorisation de la biomasse. J'ai un dernier exemple. J'ai un dernier exemple qui me semble utile de discuter dans le cadre de ces photoenzymes. Intéressant parce que c'est une autre façon d'activer quelque chose dans la protéine pour la rendre active. Vous vous souvenez que dans le cas de la photolyase, j'y reviendrai dans la conclusion, mais dans le cas de la photolyase, il y a un chromophore et puis un cofacteur redox, et c'est donc séparé, hein, à une distance suffisamment courte pour que les transferts d'énergie puissent avoir lieu. Donc vous avez un chromophore. Dans le deuxième exemple que j'ai montré, par exemple la fatty acide photodécarboxylase, le cofacteur redox est aussi le chromophore, donc il n'y a pas besoin d'un deuxième chromophore. Et là, on va voir le cas où il n'y a pas de chromophore, enfin, il n'y a pas de cofacteur, il n'y a pas de chromophore spécifique, c'est le substrat lui-même qui absorbe les photons de la lumière. Et ça, c'est l'exemple qu'on trouve dans la biosynthèse des M et de la chlorophylle. À partir du glutamate, j'ai déjà dans le passé montré cette voie très complexe où on va vers les porphyrines, siro-M, vitamine B12, l'M, et ici la voie continue vers la chlorophylle. Ici vous avez les structures de la chlorophylle, donc qui est cette molécule complexe, un cycle tétra-azoté, macrocycle tétra-azoté, donc qui fixe un ion magnésium. Et dans cette étape-là, la protochlorophyllide oxydoréductase, vous avez une réduction à deux électrons, une hydrogénation de cette double liaison ici. Hein, vous voyez, un atome d'hydrogène de chaque côté en plus. Et pour faire cette réaction, vous avez simplement besoin de cette enzyme, de NADPH, un réducteur, évidemment, hein, il faut un réducteur, hein, c'est une hydrogénation, et vous avez besoin de lumière, sans lumière, ça ne marche pas. Donc, ce qu'on sait de cette enzyme et de la façon dont ça fonctionne, et je vais vous le montrer à l'aide à nouveau d'études biochimiques, cristallographiques, c'est que, en effet, c'est le substrat qui absorbe la lumière. Ceci se fait très rapidement, dans l'ordre de la picoseconde, où vous transformez donc un substrat en un substrat activé. Vous allez voir comment il est activé. Une fois qu'il est activé, vous avez un changement conformationnel de l'enzyme qui permet de rapprocher le NADPH, le donneur d'hydrure, à proximité du substrat. Vous avez une tyrosine qui joue un rôle extrêmement important comme donneur de protons, et vous avez transfert d'hydrure, et ensuite un intermédiaire, et donc de l'ordre de 500 nanosecondes, et vous avez un transfert de protons venant de cette tyrosine pour donner le produit final. Donc vous avez un hydrure qui vient du NADPH, c'est pas très étonnant, et un proton qui vient d'un acide aminé, ici une tyrosine, et évidemment
une fois que cette tyrosine est déprotonée, il faut une source de protons. Donc on voit dans la chaîne, dans la structure, vous le verrez, toute une chaîne de molécules d'eau qui, sans doute, est un chemin pour le transfert de protons. Juste une remarque. C'est donc le NADPH, mais ça peut être le NADH, mais cette molécule ici, à nouveau, hein, c'est un nicotinamide. Ici, vous avez le donneur d'hydrure. Enfin, vous avez potentiellement un hydrure ici. Et donc, il y a différents mécanismes de don de cette hydrure. Cette hydrure, hein, c'est un proton plus deux électrons. Donc, globalement, le NADPH, je l'ai déjà eu maintes fois l'occasion de le dire, donc c'est un donneur d'hydrure, deux électrons et un proton. Et en fait, il y a plusieurs façons de donner cette hydrure. Alors, le plus classique, c'est un mécanisme concerté dans lequel vous avez le H, l'atome d'hydrogène ici, qui sort du NADH sous la forme d'hydrure qui est transféré directement au substrat pour donner NAD+, la forme oxydée à deux électrons du NADH et le produit de réduction, le produit d'hydrogénation. Et puis vous avez d'autres mécanismes et tout ça dépend de la vitesse relative des constantes de vitesse d'électrons, de transfert des deux électrons, de chacun des deux électrons et des transferts des vitesses de transfert de protons. Et donc vous avez des mécanismes, vous pouvez avoir un mécanisme séquentiel dans lequel le NADH donne un électron d'abord au substrat pour donner ce radical cation et radical anion. Ensuite, vous avez transfert de proton du NADH plus point pour donner le radical NAD point et le radical AH point. Et ensuite, vous avez un deuxième transfert, le deuxième transfert d'électrons pour donner les produits finaux. Et puis, vous pouvez avoir un système qui est partiellement séquentiel. Donc ici, il est séquentiel parce que vous avez un électron, un proton, un électron. Et ici, vous avez un système partiellement séquentiel parce que vous avez, d'une part, un premier transfert d'électrons, exactement comme dans ce cas-là. Mais ensuite, vous avez le second transfert d'électrons, enfin, et le transfert de protons qui se fait en une seule étape, où vous avez l'équivalent du transfert d'un atome d'hydrogène, d'un radical H point. Voilà. Donc vous avez tous ces mécanismes potentiels, et c'est plus tellement à la mode d'étudier tout ça. Il y a eu énormément de travaux pour démontrer que tous ces mécanismes existaient en biologie. Et en fait, jusqu'à ma connaissance, avant la compréhension du mécanisme de la protochlorophyllie d'oxydoréductase, ce mécanisme séquentiel n'avait jamais été montré comme possible dans une réaction enzymatique. Et en fait, c'est ce qui se passe avec la protochlorophyllie d'oxydoréductase. Ça a été montré très récemment. Alors là, je ne rentre pas dans le détail de toutes les méthodes qui ont été utilisées pour regarder ces réactions-là, mais comme vous le savez, parce que je l'ai déjà mentionné, c'est finalement tous les outils classiques pour étudier des réactions photochimiques, y compris celles de la biologie, c'est-à-dire des études spectroscopie épique résolues dans le temps, des études d'absorption d'émissions transitoires, enfin, etc., etc. Toutes ces études-là ont montré l'existence de trois intermédiaires. Et la cinétique de la réaction peut être fitée avec 5 exponentielles, avec ces temps de demi-vie. Et donc, la première étape, vous voyez, en 650 picosecondes, c'est l'activation du substrat. Et là, on est dans un cas, en effet, à cause de ces observations, c'est interprétable en termes d'un mécanisme séquentiel où vous avez d'abord un transfert d'électrons, s'il n'y a pas de transfert d'atome d'hydrogène, que ce soit proton, hydrure ou quoi que ce soit, ou H point, c'est un transfert d'électrons pour donner cet intermédiaire qui se forme après une centaine de nanosecondes. Ensuite, transfert de protons venant du NADH plus point,
Pour donner cet intermédiaire, là, on est dans le domaine de la microseconde, et avant-dernière étape, transfert du deuxième électron qui vient du NAD point pour donner cet intermédiaire qui va ensuite être protoné pour donner le produit final. Voilà. Donc, voilà un exemple de système dans lequel on peut invoquer un mécanisme très rare de transfert d'électrons séquentiel, transfert d'hydrure, pardon, séquentiel à partir du NADH. Alors, il y a eu des études cristallographiques, bien sûr, hein, tout au long de ces cours. Je vous ai montré, enfin, l'an dernier et cette année, hein, sur ces systèmes enzymatiques nouveaux. Évidemment, c'est absolument essentiel d'avoir des informations structurales pour bien comprendre comment ça fonctionne. Dans ce cas-là, il y a des structures disponibles de la peau-protéine, c'est-à-dire sans rien dedans, et de la protéine avec le NADH. Le NADPH, pardon. Et il n'y a pas de structure, malheureusement, avec le NADPH et le substrat. Néanmoins, il y a, comme vous allez le voir, il y a des modèles qui ont été obtenus qui sont assez, assez intéressants. Donc voilà, tout simplement, là, il n'y a pas à en dire grand-chose. Hein. C'est une structure, ici, où vous avez une sorte de cavité. Vous avez ce qu'on appelle un Rossmann fold, un site classique de fixation du NADPH. Et, bon, je ne veux pas en dire tellement plus, rentrer dans le détail de ces structures. Venons-en au fait. Et le fait, c'est celui-là. C'est-à-dire qu'à partir de... d'expériences de docking, de dynamique moléculaire, on a aujourd'hui donc à notre disposition un modèle d'un complexe protéine-substrat, la protochlorophyllide hein, qui est le substrat, et du NADPH. Et le substrat, il est ici, quand il rentre dans cette poche-là, on voit des mouvements de boucle et notamment une fermeture de cette boucle verte qui devient orange ici pour fixer la protochlorophyllide à l'intérieur du site actif. Et ce qui est intéressant, c'est que, en même temps, c'est tout à fait attendu, vous avez dans cette poche une partie qui est très hydrophobe ici et une partie très hydrophile qui est ici, de sorte qu'en effet, le substrat s'oriente, et donc tout ça est organisé pour que le substrat s'oriente de façon extrêmement spécifique avec cette partie sud ici, vous voyez, qui est beaucoup plus hydrophile, avec ce carboxylate, ses fonctions polarisées, alors que de l'autre côté, c'est très hydrophobe. Donc, en effet, cette partie-là est ici et le substrat présente ces parties hydrophiles vers le bas. Et faisant cela, vous vous retrouvez dans ce modèle, en tout cas, avec la protochlorophyllide qui est en vert, à proximité du NADPH, donc en position pour faire le transfert d'hydrure, et vous avez toute une série d'acides aminés qui jouent des rôles importants dans la fixation du substrat et du NADPH. Et tout ça a été validé par toute une étude de mutagénèse dirigée qui montre qu'en mutant cette tréonine et cette lysine et cette tréonine, vous n'avez pas de fixation du substrat. Et ce positionnement et cette polarité finalement du site est tout à fait clé puisque ce qui est important, c'est qu'une fois que le substrat fixe un photon, il faut séparer les charges. Et cette polarité du site permet cette séparation de charge, puisque l'électron excité ici va... Et donc il y a création d'un électron excité et d'un trou. Eh bien, ce trou va plutôt se délocaliser sur la partie, appelons-la sud, de la molécule, avec la densité électronique s'accumulant plutôt sur la partie nord.
Et le fait d'accumuler de perdre de la densité des trous, forme de trous, hein, d'accumuler de la densité positive, donc de diminuer la densité électronique au niveau du sud, c'est tout à fait clé parce qu'il faut que votre double liaison soit déficiente en électrons pour permettre le transfert d'hydrure sur la double liaison. C'est assez formidable parce que c'est en même temps relativement simple comme concept. Le substrat peut être un chromophore efficace dès lors qu'il permet cette séparation de charge. Et c'est l'environnement protéique qui, en créant ce dipôle, permet cette séparation de charge. À partir de là, vous avez ici, alors c'est peut-être plus clair dans ces figures, vous avez donc la protochlorophyllide et vous avez ici le NADPH avec sa partie nicotinamide, ici, et l'atome H, alors, qui de façon séquentielle va pouvoir attaquer la double liaison qui est ici. Et vous voyez que la tyrosine est pas loin, celle qui va donner un proton, donc vous avez un hydrure, l'équivalent d'un hydrure qui va attaquer là, et un proton qui va venir de la tyrosine. C'est aussi ce qui est représenté ici. Vous avez à peu près 4 angstroms de distance, ce qui est raisonnable, pour ce transfert d'hydrure ici. Et vous avez 5 angstroms de distance dans cette structure entre la tyrosine et ce carbone 18 pour faire la protonation. Donc voilà un peu le principe de ces systèmes. Bon, voilà. J'aurais dû vous raconter tout ça la dernière fois, mais j'ai pris le temps la dernière fois de bien expliquer les différents systèmes. Je pense que c'était utile de montrer un cas. Voilà, je résume ici la situation qu'on trouve en biologie pour des photoenzymes. À nouveau, un chromophore spécifique pour capter l'énergie lumineuse. C'est le cas des photolyases, vous vous souvenez, qui réparent en particulier les ADN dégradés. Ça peut être le cofacteur de l'enzyme, comme dans la fatty acid photodécarboxylase où il n'y a qu'une flavine et qui sert à tout. Et ça peut être aussi, en absence de cofacteur, enfin, il y a le NADPH qui est un cofacteur, mais de cofacteur redox, le substrat lui-même. Voilà la situation, si vous voulez, de ce qu'on peut comprendre sur l'utilisation de la lumière par les enzymes, par les systèmes vivants. Voilà. Alors, pour finir cette heure et introduire au fond ce que je vais dire la semaine prochaine et finir cette série de 2 années hein, que j'ai intitulée « Tendance en enzymologie ». C'était grand 1 l'année dernière, grand 2 cette année, et on s'arrêtera là. L'année prochaine, on parlera d'autre chose. Je voudrais finir sur ces cofacteurs flaviniques, ces flavines. J'ai eu maintes fois l'occasion de les présenter dans différents systèmes parce que ces flavines sont présentes dans un très très grand nombre d'enzymes du vivant. J'ai eu l'occasion il y a longtemps de présenter les propriétés générales des flavines, mais je vais le refaire ici pour vous montrer comment les choses ont évolué très récemment avec la découverte de nouveaux intermédiaires réactionnels qui jouent des rôles clés dans des réactions assez complexes où les flavines ne sont pas simplement que des transféreurs d'électrons, comme je vais vous le montrer, qui est une des grandes fonctions. Il s'avère que ces flavines, ces flavoprotéines, donc ces enzymes qui utilisent des flavines,
sont aussi à l'étude dans notre laboratoire. Et la semaine prochaine, donc, nous aurons un séminaire par Jemel Hamdan sur des études récentes de flavoprotéines, de flavoenzymes. Alors, certains savent ça, ce n'est pas de la répétition, mais ça permet d'introduire, de comprendre ce qui était connu, ce qui était une sorte de dogme, et ce qui va devenir ensuite des nouveautés en flavo-enzymologie. Donc à nouveau, une flavoprotéine, c'est une protéine qui contient ce cofacteur. Ce qui est important ici, c'est cette partie-là. C'est ce qu'on appelle le cycle, isoalloxazine, et notamment qui donc comporte ces trois cycles. Et sur le cycle central, vous avez une chaîne qui peut varier, j'y reviendrai. Ce qui est important ici, c'est cette fonction-là, iminoquinone, à l'état oxydé, et on verra que toute la chimie se passe sur cette partie-là de la molécule organique. Cette chaîne-là, donc j'ai dit, elle peut être variable. Il peut s'agir uniquement du ribitol. Ça s'arrête ici. C'est ce qu'on appelle la riboflavine. Ça peut être, lorsque c'est phosphorylé, la flavine mononucléotide. Ça s'arrête là. Et puis, si vous avez une adénine, une flavine adénine dinucléotide, donc vous ajoutez ce groupement adénine et lié au ribitol par ces deux fonctions phosphates, ces phosphodiestères. Voilà, ce sont les trois molécules qui existent dans la nature et qui sont largement utilisées par les enzymes. Alors, la riboflavine, c'est un cas un peu particulier, c'est un précurseur évidemment de la FMN et de la FAD, que j'appellerai comme ça par la suite, mais ce sont surtout les FMN et les FAD qui sont présentes dans les enzymes. Cette molécule est suffisamment complexe pour que vous puissiez facilement imaginer quels sont le site de protonation, déprotonation, donc d'équilibre acido-basique et également d'équilibre redox à cause de cette fonction iminoquinone, donc qui peut être réduit à un électron pour donner ce radical intermédiaire ou à deux électrons pour donner cette flavine totalement réduite, où vous avez maintenant une double liaison et deux NH ici. De façon horizontale, vous avez les pK des équilibres acido-basiques. Ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes fournissent des potentiels redox très intéressants pour le métabolisme des cellules. On se retrouve, vous voyez, avec des potentiels qui, dépendant de l'environnement de la flavine et dépendant du type de flavine, on a des potentiels qui varient entre moins 150 et 300 millivolts. Et ça, c'est des domaines de potentiel redox qui sont très intéressants pour tout un tas de réactions. Donc, ces transferts d'électrons couplés à des protons sont indiqués ici, et donc je vais parler de la forme oxydée ici, où vous avez cette iminoquinone, vous avez cette semi-quinone ici, après un transfert d'un électron à un proton, et la forme totalement, cette forme hydroquinone, avec ce deuxième transfert de protons et d'électrons. Et dernière chose, c'est que ces systèmes sont relativement faciles à étudier, parce que, en particulier, ils ont des signatures en absorption de lumière visible, tout à fait caractéristiques, et ici, je ne rentre pas dans les détails parce que je n'en aurai pas besoin par la suite. Vous avez, par exemple, la forme oxydée, ici en bleu, qui a ce spectre-là. Vous avez la forme radicalaire qui a un spectre totalement différent, vous voyez, absorbant à plus faible énergie. Et puis, vous avez la forme réduite qui a perdu énormément d'absorption
Donc ces spectres sont suffisamment différents pour qu'on ait un outil très intéressant pour étudier les mécanismes réactionnels et le rôle de ces différentes espèces et la présence ou non de ces différentes espèces dans les mécanismes. Bon, la grande fonction, une des grandes fonctions de ces systèmes flaviniques, c'est les transferts d'électrons ou transferts d'hydrure. Transfert d'électrons couplé à des protons, transfert d'hydrure, et si vous voulez, ici, par exemple, si on prend un exemple assez classique qui a été très étudié, la ferredoxine réductase, c'est une protéine que vous avez ici, qui contient ici un FAD, vous avez la flavine là et la chaîne en position azote 5. Alors, je vais quand même... Ouais, il n'y a pas le numéro ici, si, il y a un numéro. Ça, je vais beaucoup parler des positions azote 5 et position carbone 4A. Donc retenez que l'azote 5, c'est celui qui est opposé à l'azote 10 qui porte la chaîne ribitol ou plus ou moins modifiée. Donc voilà la chaîne et la flavine ici. Et bon, malheureusement, j'ai pris cette structure, mais à ma connaissance, il n'y a pas de structure de cette ferredoxine réductase où on a à la fois la flavine et le NADPH, mais on sait que le NADPH va se situer ici, dans une bonne position pour que le groupement ici hydrure, le nicotinamide qui est là, puisse transférer son hydrure à la flavine qui va se retrouver instantanément réduite. Et ensuite, cette hydrure, enfin, cette flavine totalement réduite a une riche possibilité à la fois de transférer son hydrure ou de transférer des électrons un par un. Et ça, c'est une chose qui est très, très intéressante. C'est, alors que le NADH n'est pas très, très doué, en dépit du fait que je viens de vous montrer un cas de mécanisme séquentiel où le NADH transfère un électron, le NADH et le NADPH ne sont en général pas très doués pour transférer des électrons de façon séparée. Ils sont plutôt doués pour transférer deux électrons et un proton. Et lorsqu'on a besoin d'un seul un électron, la flavine est utile parce qu'une fois que vous avez vos deux électrons stockés ici, vous avez les possibilités, à cause de l'accessibilité à des potentiels redox raisonnables de ce radical, de transférer les électrons un par un. Donc quand vous avez des accepteurs d'électrons qui ont besoin... qui ne peuvent accepter qu'un électron, par exemple un cytochrome qui passe de fer 3 à fer 2, eh bien une flavine est particulièrement... le NADH n'est pas très pertinent, et d'ailleurs ça n'existe pas, et donc c'est mieux de passer par une flavine, et c'est souvent ce qui se passe, et la flavine, à l'état réduit, peut découpler ces deux électrons, en donner un d'abord, et puis un deuxième. Et les accepteurs, ici j'ai indiqué... une métalloenzyme hein, à fer, ça peut être des cytochromes, ça peut être des protéines fer-soufre, mais ça peut être aussi une deuxième flavine qui reçoit des électrons ou des hydrures à partir d'une première flavine. Ça, vous vous souvenez, j'ai pris cet exemple parce qu'on l'a entendu la semaine dernière avec Bill Rutherford, c'est la chaîne de transfert d'électrons dans la photosynthèse. Ici, vous voyez, cette FNR, c'est la ferredoxine réductase. Elle est couplée à la ferredoxine. Et ici, c'est le cas où vous avez, par exemple, des transferts d'électrons entre des flavines et des clusters fer-soufre. Hein. Par exemple, ça, c'est la ferredoxine en complexe avec la ferredoxine réductase. Voilà. On retrouve ça de façon très, très, très abondante. Et ça, c'est un système dont j'avais parlé une fois, mais juste pour vous montrer le cas où une flavine qui reçoit son hydrure du NADH peut transférer ses électrons à une deuxième flavine. Par exemple, ici, dans le cas de systèmes complexes de type cytochrome P450 réductase, cytochrome P450, dont je ne vais pas décrire la fonction, mais parce que vous pouvez trouver ça dans mes cours précédents, il y a quelques années. Le cytochrome P450, c'est un système héminique qui doit recevoir des électrons pour activer l'oxygène moléculaire et faire des oxydations. Mais ce qui est important, c'est que ces électrons viennent d'une réductase qui ne contient que des flavines.
mais dans ce cas-là, deux flavines et ces électrons viennent en tout premier du NADPH. Donc vous avez un transfert d'hydrure pour former le FAD totalement réduit, et ce FAD totalement réduit passe d'abord ces électrons à une deuxième flavine, c'est pour vous donner cet exemple. Et dans cette cytochrome P450 réductase qui effectivement, enfin je ne rentre pas dans les détails, mais qui est très flexible pour à la fois assurer un bon transfert d'électrons du NADPH jusqu'à FMN et ensuite un bon transfert d'électrons du FMN à une deuxième protéine. Mais ici, vous voyez que dans le cas du transfert d'électrons à la FMN, vous avez une magnifique organisation où le NADPH est bien positionné pour transférer son hydrure au FAD et le FAD lui-même son hydrure au FMN. Voilà. Donc, grâce à ce type de cofacteur, vous avez une possibilité de transférer des électrons pour des systèmes qui en ont besoin. Donc, c'est disons, la chose la mieux connue de ces flavines et qui est représentée dans tout un tas de systèmes enzymatiques. Et puis vous avez une deuxième fonction qui va introduire ce que je vais vous raconter. Vous avez une deuxième fonction qui est l'activation de l'oxygène moléculaire. Donc vous avez des systèmes enzymatiques qui utilisent des flavoprotéines et qui sont des oxydases. Dans ce cas-là, à l'état oxydé, la flavine oxyde un substrat, c'est la réaction qui est indiquée ici, et le cycle se ferme par réoxydation à l'air, par l'oxygène de l'air, pour donner la flavine oxydée, et à ce moment-là, on ferme le cycle. Et le substrat a été oxydé, le substrat SH2 a été oxydé en S, et l'oxygène a été réduit en eau oxygénée. Et ça, c'est la famille des oxydases. Je vais m'intéresser plutôt aux monooxygénases, aux hydroxylases. Dans ce cas-là, vous partez de la flavine oxydée, vous avez besoin de NADPH pour réduire cette flavine, qui est représentée ici par FLH2, et ensuite, cette FLH2, cette flavine réduite, est capable de réagir avec l'oxygène, de l'activer, de le transformer en une espèce qui devient réactive pour transférer un des atomes d'oxygène au substrat S. Et donc, vous avez ici une réaction d'hydroxylation, d'époxydation, etc. Le deuxième atome d'oxygène étant converti en eau et la flavine étant, par ce mécanisme-là, convertie en flavine oxydée, fermant donc ainsi le cycle pour recommencer la série des deux réactions. Eh bien, le dogme jusqu'à il y a très peu de temps, c'est que le seul mécanisme envisageable pour une chimie de type transfert d'atomes d'oxygène et enfin activation de l'oxygène moléculaire par les flavines, c'est après donc réduction par le NADPH de cette flavine pour donner la flavine réduite que vous reconnaissez ici, hein, ça c'est FLH2 avec deux atomes d'hydrogène supplémentaires et la forme hydroquinone qui est donc riche en électrons. Par réaction avec l'oxygène, vous formez un hydroperoxyde. Cet hydroperoxyde se forme, donc vous créez une liaison carbone-oxygène par réaction de cette flavine réduite avec l'oxygène moléculaire. Vous créez cette liaison carbone-oxygène et vous créez un hydroperoxyde, l'hydroperoxyflavine. C'est ce qui est aussi représenté ici. Et ça, c'est la clé de toutes les réactions d'oxydation catalysée par les flavines. C'est un intermédiaire très réactif qui ne s'accumule pas puisqu'il se forme en présence de substrat et c'est une entité en général assez électrophile, ce qui fait qu'un substrat plutôt nucléophile va attaquer cet atome d'oxygène
casser de façon hétérolytique la liaison oxygène-oxygène, et vous avez donc introduction d'un atome d'oxygène dans le substrat, et ensuite un intermédiaire qui perd une molécule d'eau pour redonner la flavine oxydée, et vous pouvez recommencer. Donc, voilà, donc la clé, c'est que, en gros, dans tous les systèmes d'oxydation par des flavines, c'est un hydroperoxyflavine qui est l'intermédiaire clé des réactions d'oxydation. Alors, il y a quelques éléments structuraux qui permettent de... valider hein, cette hypothèse. Ici, par exemple, cette enzyme, la parahydroxybenzoate hydroxylase, c'est une enzyme contenant un groupement FAD que vous reconnaissez ici. Ici, c'est le cycle isoalloxazine et la chaîne ribitol et puis le reste. C'est une enzyme qui catalyse en effet l'activation réductrice de l'oxygène, c'est-à-dire en présence de NADPH, pour faire une hydroxylation aromatique sur le cycle pour donner ce catéchol. Une structure aux rayons X obtenue contenant le FAD et le substrat, puisque vous reconnaissez en orange ici le parahydroxybenzoate, qu'on retrouve, j'ai simplement zoomé ici, et je crois qu'ici c'est un modèle avec le NADPH. Donc avec la partie ici nicotinamide, la partie réductrice porteur de l'équivalent hydrure qui va être transférée à la flavine, qui va être réduite, réagir avec l'oxygène moléculaire. Et cette barre ici que j'ai introduite, c'est juste pour montrer que si vous mettez un peroxyde sur cet azote, vous êtes proche du substrat pour faire la réaction de... l'hydroxylation. Voilà. voilà, ça c'est simplement à nouveau détailler la réaction un peu plus. Réduction de la flavine, réaction avec l'oxygène pour donner le peroxyflavine, et là, ce cycle aromatique est assez. Nucléophile pour attaquer cette entité électrophile, comme je viens de l'indiquer, pour donner donc le produit. Tout ça a été très, très bien étudié. Très bien étudié. Bon, je ne crois pas qu'on puisse en dire un peu plus. Si, ça, c'est un autre système. Parahydroxyphénylacétate hydroxylase, donc vous voyez, c'est cette molécule qui est un peu différente. Hein. Il y a un carbone de plus ici. Bon, il y a eu des études cristallographiques très intéressantes, mais terminons là où on voit à nouveau la flavine qui va créer un hydroperoxyde qui est à proximité du substrat. Et. représenté ici, cet hydroperoxyde sur la position C4A est à bonne distance pour attaquer le substrat. Voilà. voilà. Vous avez... toute la base qu'il faut pour suivre la suite. Bon, j'ai résumé en une demi-heure 50 ans de travaux sur les flavoprotéines. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques années, et c'est ce dont je parlerai la semaine prochaine, de nouveaux cofacteurs flaviniques sont apparus. Pour expliquer, enfin parfaitement identifié, et pour expliquer des réactions particulières. Et
Comme vous le voyez ici, donc je parlerai de flavine N5-oxyde, je parlerai de flavine N5-prényl, et ici je mentionne le flavine N5-méthylène. Je crois que Jemel en parlera abondamment, je ferai juste une brève introduction, mais ce que vous notez, c'est que, alors que tout cet intermédiaire ici est modifié sur la position C4A, avec ce fameux peroxyde, hein, qui est vraiment une sorte de, voilà, de réalité générale pour les oxydations catalysées par des flavines, en fait, on verra qu'il y a d'autres possibilités d'agents oxydants avec les flavines, et notamment avec les flavines N5-oxyde, et on verra aussi ces cofacteurs-là. Vous observez que, dans tous les cas, tout ce qui est apparu récemment, ce sont des modifications sur la position N5. Et c'est de ça qu'on parlera, de ça dont on parlera la semaine prochaine, et je vais m'arrêter là. Oui, d'ailleurs, c'est l'heure. Voilà, donc je vous remercie. Je crois qu'il va t'aider à installer Yvan, non? Merci pour cela. Si vous avez quelques questions, comme d'habitude, le temps de passer la main à Yvan Nicolet, j'y réponds. Voilà. Merci.